Aujourd'hui, Unchain va devoir se retrousser les manches s'il veut terminer le pass de combat Avatar et avoir le skin d'Avatar ultra amélioré. Le problème, c'est qu'il ne reste plus qu'une heure pour passer à plus de 11 000 de chi. What's up, my boys? C'est Unchain. J'espère que vous allez bien, les amis. Aujourd'hui, Fortnite m'a mis au défi. Je n'ai jamais vu un pass de combat aussi difficile à terminer. Sachant que c'est pas un vrai pass de combat, c'est un pass de combat saisonnier. Mec, j'ai tryhard mais mort pour en arriver à là et j'ai toujours pas fini. Et il reste plus qu'une heure. J'ai pas vu le temps passer, les gars. J'étais en train de jouer à la mise à jour Brawl Stars. Il faut absolument que j'arrive à débloquer Lang Avatar, un de mes skins préférés. Il est incroyable. On lance le chronomètre maintenant. Alors, on va faire une stratégie pour les quêtes. Une sorte de roadmap. Ici, il faut que je visite le mont Olympe et les colonnes côtières. Les colonnes côtières, c'est là. Donc, il faut absolument que je passe là. Ici, il faut que je détruise une charrette de choix avec la maîtrise de feu. Wow, punaise, je suis foutu. Alors, strat, grâce à Fortnite.gg, je peux directement choisir charrette de chou et je peux savoir où elles sont sur les maps. Donc là, par exemple, ici, j'ai une charrette de chou juste là. Hop, je vais spawn ici et ensuite, je vais descendre juste là pour aller à la charrette de chou. Mais il faut que je trouve le pouvoir du feu. Plus je dois faire un saut aérien au moulin ou l'autre moulin. Le saut aérien, ça veut dire de spawn à cet endroit-là. Donc peut-être que je vais spawn au moulin. Ensuite, je vais aller là et là-bas. Visiter les sanctuaires de tous les éléments. Ici, maîtrise de feu ou terre, je sais pas. Porter un exemplaire de chaque rouleau de maîtrise en même temps. Oh mon dieu, c'est dur. Mais comment je vais faire? Mec, il me reste déjà plus de 51 minutes. C'est pas possible. Je vais même pas lancer ma première game, les gars. Seuls ceux qui ont débloqué le skin Avatar ont le droit de liker cette vidéo. Ok, il faut que je spawn au moulin. Il faut que je spawn au moulin. Attends, faut pas que je spawn au moulin. Faut que je spawn. Si. Faut que je spawn là. Mais attends, mais là, il n'y a pas le. Je comprends pas. Il faut que je spawn ici ou pas? Je comprends pas. J'ai spawné. Ça a compté ou pas? Oui, ça va compter. Non, ça va compter. Bon, par contre, j'ai eu le pouvoir du feu. Ça, c'est cool. Y'a un mec? Meurs! Ok. Comment ça, ça l'a pas compté? Faire un soirien au moulin rouge? Ah, c'était sur le moulin. Non! C'était sur le moulin, j'ai pas spawn sur le moulin. J'ai spawn à côté du moulin, quel coco. Ok, bon, il faut que j'aille où ensuite? Il faut que j'aille là-bas. Mais je sens que ça va pas être possible en une heure. Y'a un véhicule. Une moto, exactement ça. C'est ce qu'il me faut, les gars. Let's go! Alors, on va aller à mon point. Il est très loin, mon point, les gars. 800 mètres, what the heck? Il faut que j'aille casser des choux d'abord ici. J'espère qu'ils seront pas cassés par un autre joueur. Je vais dans l'eau avec la moto, ça sent mauvais. Non, ma moto! Bravo les mecs, j'ai une solution de secours, vous en faites pas. La petite voiture Merco, je savais qu'elle était là, les gars, je fais exprès. Il me déchaînait. Vous allez voir, Unchain, le conducteur de malade. Vous savez, c'est bientôt la nouvelle saison de Fortnite. J'ai hâte, les amis. Oui, j'ai hâte. En fait, je sens que j'ai un petit peu fait le tour. Tu vois, des pouvoirs mythiques, ça revient un petit peu la même chose que la saison 1 et tout. J'y connais par cœur maintenant. Moi, ce que j'aimerais bien, Fortnite, ça serait vraiment des belles maps créatives. Tu vois, j'aimerais bien vraiment que l'UEFN et tout, on a vraiment des expériences de malade. Et j'ai l'impression que ça se répète beaucoup avec toujours les mêmes maps, rouge, VS bleu, tu vois. Les maps B5, bref, c'est un peu la même chose. Alors, ici, les amis, il faut que je trouve des. Oh là 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 là, les choux. Ok, il faut que je crame ça du coup avec le pouvoir du feu. Let's go, les gars. Détruire une charrette de choux avec la maîtrise du feu, c'est validé. Visiter le mont Olympe. Ok, donc là, il faut que j'aille aux colonnes côtières qui est juste ici. On est vraiment très proche. Ça me shoot. Comment ça me shoot? T'inquiète, regarde, sans ma crack. Hop là, attention. Mort. Non, il est pas mort, mais t'inquiète. En fait, on va voir si je dois mettre des dégâts du coup avec mon feu. Toucher les adversaires et maîtrise du feu. Hop là, les amis, on va prendre directement ma maîtrise du feu, les amis. T'es où? Touché. Ouais, je sais. Oula. Let's go, c'est bon. Est-ce que ça m'a fait mon défi ou pas quand même? J'ai mis des dégâts à maîtrise du feu là. Ah, mais en fait, je suis à 1 sur 2. Donc là, il faut que je touche un autre adversaire à maîtrise du feu. Ok, bon, plutôt pas mal. Je croyais que c'était des dégâts qu'il fallait que j'atteigne, tu vois. Donc là, on a directement les colonnes. Il fallait que je les visite. C'est bon, regardez, mon Olympe et les colonnes côtières. C'est validé. Et là, je vais monter en haut. Pourquoi? Parce qu'en haut, il y a un monastère pour avoir le pouvoir de la pierre. J'ai besoin du pouvoir de la pierre, les amis. Bon, oui, bonjour, sanctuaire. Bonjour, qu'est-ce que t'as à me donner? Du caca boudin. Alors, quête terminée, let's go. Toucher l'adversaire, maîtrise du feu, maîtrise de la terre, ok. Et te soigner dans l'eau grâce à la maîtrise de l'eau. En une seule partie, mais attends, quoi? Mais attends, c'est hyper dur là. What the fuck, il me demande des défis de malade. Comment je vais faire ça? Il me reste 43 minutes, frérot, comment je vais faire ça? J'y connais pas? Y'a personne sur la map. Ils sont où les ennemis? Oh, y'a un ennemi là-bas. Oh shit. Touché, c'est bon. Mort. C'est bon, j'ai touché. 350 de chi supplémentaires. Ok, ça fait plaisir. Il faut qu'on aille à 300 mètres pour avoir du coup un autre pouvoir. Donc là, on va directement. Oh, mais c'est la terre! Fuck! Ne me dis pas que les autres ils sont hors map. Il y a un joueur là-bas. No way! Faut que je trouve d'autres maîtrises, mais là-bas, le problème, c'est que c'est la terre en fait. J'ai déjà la terre. Sinon, il faut que je tue des ennemis peut-être qui ont des pouvoirs. Là, je dois trouver un truc de l'eau. Désolé, la poule, what the fuck? Y a un mec là. Oh! Oh la dingue! Sur la tiro! Oh shit! Je peux plus build.
On a notre mec, non. Non, pas les grenades, frérot. Mais c'est un bot? Il y a un bot sur moi, là. Oh, mort. Le chien mieux sait qu'il jette des grenades comme ça, c'est une dinguerie. Hein. Oh, il a le pouvoir du vent, let's go. Ah non, c'est le pouvoir de l'eau. Oh ouais, les gars, c'est le pouvoir de l'eau, let's go, on va aller dans l'eau. Oh! J'ai failli prendre des dégâts. Hein. Ok, du coup, je crois qu'il faut qu'on se soigne avec un pouvoir de l'eau dans l'eau. Ok, bah alors, ce qu'on va tenter de faire, les mecs, il faut qu'on prenne des dégâts. Ok, alors comment prendre des dégâts à l'Uncharted comme d'hab? Hop là, nickel. Là, on prend le pouvoir de l'eau et on va directement dans l'eau. Est-ce que là, ça va nous soigner? Normalement, oui. Hein. Allez, soigne-nous, s'il te plaît. Comment ça, ça va pas nous soigner? Ah, c'est le vent! Merde! No way, c'était le vent. Oh, je suis un teubé, les mecs. Punaise, on a quasiment tous les pouvoirs, quoi. Ah, mais oui, mais lui, c'est le feu, frérot. On n'a pas besoin. Peut-être que je vais aller là-dedans. Peut-être qu'il y en a qui restent au sol. Hein. Ça doit être dans n'importe quel coffre. Hein. Ouh, attends. C'est un peu légendaire avec viseur, je prends. Allez, dis-moi, il y a le pouvoir de l'eau ou il y a un truc. Pouvoir de l'eau. Ok, Unchain, c'est reparti, on prend des dégâts. On fait ça, un pouvoir du vent, les gars. On va vite devoir se dépêcher, les amis. On a 50 secondes avant qu'il n'y a plus d'eau. Bête! On arrête. On se prend des dégâts. Nice, on prend l'eau. Et on se met dans l'eau. Let's go! Oh mince, donc là, par contre, on a fait que 1 sur 2. Il me manque. Oh, puis c'est quelqu'un avec un mur de terre. C'est le truc qui manque, les gars. Let's go, c'est bon. Je l'ai pas propulsé. Ok, on va faire comme ça. Viens à moi, frérot. Mais comment ça, on le propulse? Mais comment ça, on propulse le joueur? Je l'ai propulsé ou pas, là? Comment ça, tu propulses le joueur avec un mur de pierre? Ah, c'est comme ça? Oh, punaise. Non, il faut que je sois contact à lui, je le propulse. Oh, je suis foutu. Il y a un mec là-bas. Ok, y a un mec en hauteur ici, je vois les deux joueurs. Allez, il me reste 31 minutes, les gars. Y a un mec qui se fight ici au métal, je peux quasiment le toucher. Ouh, la prochaine zone, punaise. Ah, il veut décaler, ok, bon, on va décaler aussi, aise. Oh, il a le pouvoir, hein. Il a le pouvoir, ce pouvoir. On est en top 3 situation, les guys, man. Ça se fight, on y va. On a le pouvoir. On y dit. Mur. C'est bon, j'ai réussi à le... J'ai réussi! Je l'ai propulsé! 35 crack. Allez. On l'y dit. Quasiment mort. Il veut soigner. On reprend le mur. Ouh, il joue bien. 37 crack. Moi aussi, je joue bien, frérot. Mort! Let's fucking go, les gars! Top 1! On l'a bien joué, je suis content parce qu'on a réussi du coup à utiliser le pouvoir du mur qu'il a propulsé dans l'eau. Et malgré qu'il avait 15 médaillons, frère, il passe pas contre moi, beau gosse, il a pas mis le code Unchain. Il me reste 27 minutes 30, les gars. On a débloqué du coup l'émote, le bâton d'avatar, let's fucking go. Parce qu'en fait, si tu le débloques pas maintenant, mec, le pass de combat il reviendra jamais. Mais même pas dans la boutique ou quoi, c'est fini. 1750 chi en une game. Ok, on a géré. Et on est passé du coup à 9800 de chi. Il nous en manque 1200 si je veux débloquer l'épée de Sokka et le skin avatar de l'extrême. Donc là, faire un saut aérien au moulin, la chose qu'on a loupé première game. Obtenir des poissons, bah trop facile. Ok les gars, je relance instant. C'est parti. Dédicace aujourd'hui à ces deux dernières personnes qui viennent de s'abonner à la chaîne. Merci à vous les gars, ça fait trop plaisir. Si toi aussi tu veux une dédicace dans la prochaine vidéo, t'as qu'à juste à t'abonner en activant la cloche. Alors le moulin, il faut vraiment que je saute dessus cette fois-ci. Hein. Il me reste 23 minutes. Oh shit. Go, j'ai le moulin devant moi, on va être sécure. Est-ce qu'il y a un véhicule après le moulin? Je sais pas. Ouais, il y a une station essence, on va pouvoir aller là-bas. Ok, le moulin, est-ce que ça va compter? S'il te plaît frérot, s'il te plaît. J'ai touché le moulin. Ça l'a fait ou pas? Je sais pas. Ça me l'a pas compté, c'est une blague? Oh, je me vénère. Mes adversaires ont différents types d'armes, 3 sur 4. Ok. Allez, on run. Attends, il y a un mec, il a cassé ici, il y a un joueur. Ouais, ça pense qu'il y a un joueur. Il est en face. Il est où? Ici. 41. Sors. 93, mort. Est-ce qu'on gagne des trucs ou pas? Non, j'avais déjà fait un dégât avec cette arme. On va prendre du coup la voiture de course cette fois-ci, les gars. Wouhou!
Je suis obligé d'arrêter maintenant, je suis déjà en rupture d'essence, les gars. À part, attends, on va tester un truc, les gars. Je vais aller à fond et j'ai changé de voiture, vous allez voir. Masse. Regardez, il y en a une nouvelle juste ici. Et il faut encore gérer 240 mètres, les gars. Oh shit. Ok, sanctuaire, c'est parti. Petit sanctuaire de tous les éléments, 3 sur 4. Let's go. Ça me donne l'eau. Vas-y, je prends. Obtenir des rouleaux de maîtrise dans plusieurs parties. Je suis à 1 sur 4. Faut que j'en récupère encore 3. Ah non, c'est dans plusieurs parties. Du coup, ça comptera pas. Je pourrais pas la faire celle-là. Faut que j'aille là-bas. Mais avant, les gars, il faut que j'aille pêcher des poissons. Allez, on va obtenir 4 poissons là-bas. Y'en a mis, ennemi. Faut que je tue cette arme. Mort, c'est bon, let's go, éliminer des adversaires, les gars. Let's fucking go, on n'a plus besoin de penser à ça. Ok, donc là-bas, je sais pas pourquoi ils me disent que je dois absolument de pêcher des poissons. À cet endroit-là, la map, il y a maîtrise de l'air. Mort. Ok, il a même pas eu le temps, les amis, de faire quoi que ce soit. Et on pêche, allez, 4 poissons. Il y a un mec derrière moi. À la une. Il y a un mec là. Mort, c'est bon, s'il te plaît. Y'a un mec, je me cache, il est juste là, regardez, allez. Il analyse parce qu'il a entendu le bruit, frérot. What the fuck, c'est un malade. Qu'est-ce que c'est mon style? Oh my god, let's fucking go style, les gars, j'ai trop de chance. Ok, on va pêcher en cachette, les gars. Pourquoi les poissons, ça compte pas? Obtenir des poissons? J'y suis, ouais, je suis obtenir des poissons, frérot. Je comprends pas, il faut que je les obtienne. Comment les poissons? Je comprends pas, ils me disent obtenir des poissons, mais je pêche, ça me fait rien. Obtenir des poissons, frérot, je ne comprends pas. J'ai à 270 mètres avant que la zone passe dessus. 15 minutes, il me reste. Et que je peux même pas terminer la game, je crois. Ok, nickel, on a un temple. C'est là, il faut que j'aille. Tout ça me le comptabiliser. Hop, ça 4 sur 4, let's go. 352 chi. Faire un saut aérien au moulin ou l'autre moulin. J'ai le seum. J'ai le seum que c'est un saut aérien. Peut-être qu'il faut juste que je fasse un saut, que je saute dans le vide depuis le moulin. Hein. Une game, il reste plus que ça. Hein. On va devoir retourner, les gars, au moulin. C'est quand même une fucking dinguerie. Bien sûr, j'étais là, il avait les sound effects de mes pas, les gars. C'est compliqué. Oh fuck, c'est un gros tryhard, frérot. On est descendu. Couché. Ah là. Oh là. 99, il a un HP. Mort, c'est bon. Bon, on a réussi à l'avoir, les gars, sans crever. Il faut vite qu'on retourne au moulin. Faut que j'ai plus d'essence. Oh shit. Une caisse, s'il te plaît. Je crois une caisse. Let's go. Il y a même du stuff, what the fuck. Oh, let's go. Punaise, la chance. Oh, il y a exactement la caisse qu'il me faut. Hop là, on accélère. Ça allait me shooter dessus, attendez. Ok, il y a un joueur. Il faut que je touche avec ça. Oh, le moulin, il est quasiment pété en plus. Oh shit. Le moulin, il est quasiment pété. Allez, s'il te plaît, c'est ça. Faire un saut aérien depuis un moulin, s'il te plaît. Que c'est ça. Et je comprends pas. Mais il y a deux fucking missions, je comprends pas. Mec. Saut aérien. Je viens de faire un saut, c'est quoi ça? J'ai pris un jeu pour chien, c'est quoi ce bordel? Obtenir des poissons, j'arrive pas? C'est pas possible? Ok, un mec sur moi. Oh shit, mec sur moi. Peut-être qu'il faut que j'ai le truc de l'air et que je fasse un saut avec le truc de l'air. Pour moi, ça peut être que ça. Hein. Bon, c'est trop dangereux. Hein. Lui, en plus, il a la skin exactement que je veux, quoi. Je pète le seum. Bon, les gars, on verra à la fin de la game si j'ai assez ou pas. Il me reste 8 minutes, les mecs. Les gars, j'ai fait mon max. Hein. J'ai peut-être pêché. En fait, même si je veux aller pêcher des poissons, bah, c'est là-haut, c'est dans la zone. Malheureusement, je pourrais pas. Oh fuck. Je suis mort de dégâts, je sais pas comment. Mais j'ai attrapé un truc et je pouvais pas attraper. J'en ai 1050, non. Frérot, j'en ai 1050. Non, il reste 8 minutes. 4, frérot, c'est quoi le saut aérien? À l'autre au moulin. Et je t'en lançais peut-être une dernière game de faire ce fichu saut aérien. Pour moi, ce saut aérien, du coup, ça doit être certainement avec le pouvoir de l'air. Je vois que ça, on va tester, sinon c'est mort. En plus, c'est marqué, allez, prenez l'air. Ouais, 100%, c'est ça. Un truc de vent là. C'est l'eau là ou le vent? C'est le vent, la vie de WAM, c'est le vent là. Je vais aller. Il peut y avoir beaucoup de joueurs, mais je suis foutu. Je suis foutu. Ah oui, je suis foutu, je l'aurai jamais. Comment j'ai la maîtrise? J'ai la maîtrise. Je sais pas comment c'est possible. Oh mon dieu, c'est des gros noobs. La strat, s'il faut que j'arrive du coup à un endroit safe, comme par exemple ce toit. Hop. Y'a un gars dessous, je me taille. J'ai juste pris des armes. Coulis poupoule. Je vais m'arrêter là, je suis obligé de m'arrêter là. Faut pas prendre de risque. Faut que je prenne du stuff, faut que je trouve du shield, je sais pas mec. Oh oui. Ouais, un peu de shield.
On dit pas non. Ok, let's go. Ah, tu me fais kiffer, frérot. Là, je suis au moulin. Je suis en train de faire un saut aérien. Ça fonctionne ou pas? Ouais, frérot. Mort? Ok. Ok, alors, les amis, je suis. Oh putain, y a un truc de feu là. Ok, je suis, les amis, ici. Faire un saut aérien au moulin ou à l'autre moulin. Ok. J'ai le fucking feu. J'ai l'eau. J'utilise. J'appelle Dany, je pète un câble. Peut-être qui c'est. Mec, je vais perdre là-dessus. Voilà, j'ai perdu là-dessus, c'est dit, c'est fait. Je baisse ses mères. Je sais pas ce que c'est, un fucking saut à rien. Allez vous faire foutre. Un peu abusé, je sais ce que je viens de dire. À un moment donné, si vos quêtes elles sont pas compréhensibles, c'est pas possible. Et les amis, c'est la fin. Il reste 30 secondes et je suis bloqué. Voilà. Est-ce qu'un saut à rien, c'est genre. Ça? Faut que je me tue. C'était l'ulti. Je l'ai ou pas? Dis-moi, je l'ai. Yeah! Pioche! Skin! Skin Lego! Ah, passe de combat entièrement débloqué. Il est où? Avatar. Avatar! Regarde comme lui, c'est le. Oh là 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 là, let's go, les pacuchis, nous! Si t'es arrivé jusqu'ici, n'oublie pas le code Unchained dans la boutique Fortnite, ça me ferait trop plaisir, ça me soutiendrait énormément, les gars. Merci pour tous vos retours, merci pour votre force, des déchaînés. Puis les gars, ça s'est joué à 10 secondes, très clairement. Merci en tout cas à vous tous d'avoir tout regardé, ça fait trop plaisir, on se capte à très vite pour une prochaine aventure sur la chaîne. Geek comme un porc et clique juste ici si tu veux voir une autre vidéo masterclass sur la chaîne. C'était Unchained, ciao bye! Cyber!